Le bateau est à vendre ou échangé contre un motorisé. Là, on voit la chambre principale dans le fond. Et puis ici, on a une cuisinette avec lavabo, micro-ondes, les ventilateurs des hatches. Il y en a trois, un gros puis deux petits. Très, très éclairé le bateau. Et là, on fait le tour. Ici, il y a une chambre en dessous. Et on loge deux autres personnes. Ici, il y a un petit salon. Puis la table se couche. Et on peut coucher aussi deux autres personnes. C'est très logeable. Beaucoup de rangements. Le bateau est tout équipé. Et on a un patio à l'extérieur. Très bien logeable avec un toit campeur, tout bien équipé. Le bateau est équipé d'une annexe qui est neuve d'un an, avec un moteur de 2,5 forces Yamaha, tout neuf. Un porte-carte, on voit bien le bateau ici. Le siège du capitaine avec le pour commander avec les moteurs, c'est un 2 moteurs, 4,6 litres. Le siège est électrique. On voit le bateau de l'extérieur, il est en parfaite condition, très bien entretenu. Il y a aussi sur le dessus du hatch une toile qui est pratique. Quand il pleut, ben on est au sec pareil et on a de l'air beaucoup. C'est très agréable. Le bateau est équipé de 2 ancres, dont une permanente et une aussi grosse, mais qui sert pour l'ancrer en arrière quand on fait de la plage. Le bateau est présentement à la marina Les Alizés. Il est entreposé, la saison est payée pour l'hiver, ainsi que l'entreposage pour l'hiver 2008-2009. Le bateau est équipé de la tête aux pieds, si on peut ainsi dire. Il se nomme la petite misère. Le bateau est équipé d'un radar aussi. On voit le radar ici. Le détecteur aussi pour aller sur le fleuve. Très bon bateau.